tous, ici Epsilon21 et aujourd'hui on se retrouve sur la map de Sky Factory en compagnie de Team Allen. Team Allen. Yeah. Et aujourd'hui on va explorer le ciel. Donc n'ayant pas encore la possibilité de construire les jetpacks qui sont assez coûteux, admettons-le. On a essayé d'en fabriquer et il nous faut 3 plombs pour récolter les matériaux, donc on va encore attendre un petit peu. Donc on a décidé d'utiliser le Mega Rubber Sapling. Donc tiens, je te les rends déjà. Donc il y a 4 types de plantes rubber sapling. Donc il y a le rubber sapling, le normal, donc ça c'est un arbre qui pousse naturellement. Un arbre, c'est le rubber sapling qui pousse avec la taille d'un arbre normal, comme celui qui est devant moi. Il y a le Mega Rubber Sapling, donc ça c'est celui que l'on va invoquer, que l'on va faire pousser. Donc vous allez voir en direct, donc ne le fais pas encore, hein, mais ça c'est ce que vous allez voir en direct. Donc un arbre géantissime qui fait des mètres et des mètres de haut. Et alors, il faut que vous fassiez très attention à 2 types de pousses, donc la Sacred Rubber Sapling et la Sacred Rubber Sapling non brillante. Donc ces deux-ci, ce sont des pousses qui peuvent vraiment vous faire... je sais pas trop comment tu me l'avais expliqué, donc je te laisserai expliquer l'histoire, mais... Bah, en gros, c'est simple. C'est des pousses d'arbres, à la base, comme un rubber, qui va pousser donc, à peu près comme le rubber. Un rubber, c'est comme ceci. Hein. Donc le méga rubber, ça poussera un peu comme ça. Cependant, ça va prendre mais des kilomètres et des kilomètres de long. Ça va être immense, tu auras des branches. Je pense que même notre base, ça fera plus que notre base en taille de feuilles, en quantité de feuilles. Mm-hmm. Il y aura bien 2 fois plus que notre base, quoi. Ok. En quantité de feuilles, c'est géant. Voilà, et alors le sacré truber, il est encore plus dangereux. Enfin, le brillant, je veux dire. Donc voilà, moi je vais personnellement les jeter parce que c'est des pousses qui sont dangereuses. T'as acheté quoi là ? Des pousses qui me servent à rien. Ah ok. Par contre, les pousses normales de rubber, on va les garder, etc. On va les faire pousser. J'en ai là, hein. Comme vous pouvez le remarquer, on a déjà quelques types d'arbres et le rubber. Oui, je l'ai montré. Donc vas-y. Alors, on a aussi crafté une hache. Moi, j'ai crafté une matoque en allumite. Et notre cher Team Allen a crafté une allumite Lumber Axe. Donc, en gros, c'est une hache qui va... Attendez, je veux vous montrer. Donc, quand on va casser... par sécurité, on va casser le deuxième bloc au-dessus. Non, tu peux casser le premier. Ok, ça va. Donc, je vais casser la base du tronc. Hop, et tout le tronc, en fait, va tomber. Ça dépend de la quantité. Ça coupe en fait sur des cases de 3 sur 3. Donc ça coupe une. Ouais, mais là il y a plus que. Là il y a plus que 3 sur 3. Oui, mais alors ça coupe 9 blocs en une fois et sur les petits arbres, je ne sais pas pourquoi ça coupe tout. Ouais, donc voilà. Tiens, je te la rends parce qu'on va en avoir besoin certainement. Si tu veux pouvoir rentrer dans l'arbre, oui. Donc vous allez assister à un spectacle extraordinaire. Donc nous sommes déjà un petit peu équipés. Vous pouvez voir que j'ai recrafté des lagos d'allumite et de thomium pour pouvoir réparer mes armes et que j'ai déjà upgrade un petit peu. Hein, voilà. Vas-y. Boum. Donc voilà à quoi ressemble le Mega Rubber Sapling. Et voilà comment on creuse. Voilà comment creuse la hache de notre cher Team Allen. Et alors, ce que je te propose, c'est on creuse au milieu de l'arbre. C'est ce que je comptais faire. Ah, ok. Mais il faut que je trouve le milieu. Attends. Ah, ok. Vas-y, creuse le milieu. Le milieu, il est ici. Il est là. Ok. Bon, petite ellipse en attendant
de pouvoir faire des escaliers jusque là au-dessus. On vous reprend dès qu'on a Et terminé. Nous nous nous... retrouvons, désolé pour cette ellipse assez brutale, mais nous voir monter au-dessus de l'arbre n'était... Enfin, je trouvais pas que c'était vraiment très intéressant, donc j'ai arrêté de filmer. Donc voilà, nous sommes arrivés au-dessus de l'arbre. Comme vous pouvez le voir, il prend énormément d'espace. Je vais essayer de vous avoir un visuel. Tu as un visuel de en bas? Ah voilà. Donc comme vous pouvez le voir, et je ne suis pas encore au-dessus de l'arbre, on peut à peine apercevoir le toit de la tour à mob, alors que je suis pas encore tout au-dessus de l'arbre, et on n'est pas encore arrivé jusqu'au nuage malheureusement. Donc, ce que je te propose, c'est on va les trucs, les... J'ai une table de craft déjà, hop. Les Rubberwood qu'on a récoltés, on va en faire des planches. Donc il faut savoir que un tronc de Rubberwood ne donnera que 3 planches d'acajou. Donc on fait des planches. Comme ça on en aura plus. Non? Écoute, j'ai 3 stacks de... Attends, toi Bah tu tu peux poses faire des planches. les échelles, moi je pose les... Bon, je crois pas que j'aurai assez d'échelles pour aller jusqu'au-dessus, mais on verra. Mais on a mis une table de craft en dessous exprès. Ouais, mais on verra. Tim, tim, tim. Alors oui, faites attention quand vous faites quand même popper le Mega Rubber Sapling, que beaucoup de zombies vont pop en même temps dedans parce que il fait sombre et que c'est un des seuls endroits où les zombies vont simplement pouvoir spawner. C'est un fait qui est indéniable vu qu'on est... Pardon. Vu qu'on est sur une map, par contre, ouais. Je vais redescendre, j'ai plus assez. Pourtant on est tout près quoi, c'est juste là. Et alors ça m'a l'air d'être exact. Ah mais non, on est à la même hauteur. On est à la bonne hauteur pour accéder à un nuage. Hop, 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 hop. Bon, si t'arrives à monter, moi j'y suis. Ouais, j'arrive. On Mais va faire la découverte ensemble. Ça m'a l'air d'être un petit peu chelou, ces trucs. j'ai quelques problèmes de connexion, mais j'arrive. Oui, on voit ça. Quand il y a 10 personnes sur le réseau et qu'on n'a pas les réseaux les plus puissants au monde. Ah, je te vois arriver. Je vais juste Bon. sécuriser la montée. Voilà. Comme ça, on risque pas de tomber en montant. Et je vais mettre des torches. Parce que... Bon, voilà. Moi, j'ai peur de marcher dessus. Toi, si tu veux, tu peux marcher dessus, mais... J'ai peur que Bon, tu ne tombes désolé dans le pour le vide. mais T'es sûr que tu tombes pas? oui. Je suis sûr. Avec quoi est-ce qu'on récolte ce bazar? Ah, avec la matoque ça marche. Qu'est-ce que c'est? Oui, bah. C'est du cloud. C'est de Natura. Du game mode Oui, Natura. bah attends, attends avant tout casser. Moi je casse tout. Je suis un fou. Que je puisse Ah! débloquer un maximum. Non! Aïe! C'est ce que j'aurais à te dire. Attends avant de tout casser, que je place un petit lieu où on ne tombera pas. Hey, mais c'est horrible ce tracteur de merde. Voilà ça.
Bon, j'arrive, hein. Toujours le sifflement. Non, il n'y a plus rien là. Ouais, bah c'est le trafic qu'il y a chez moi. Ferme Il est ta encombré. fenêtre. Ouais. Mais il fait chaud. Ouais, mais je m'en fous. Ça va, il y a plus, logiquement, il devrait plus y avoir de passage. Aïe, 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 mais qu'est-ce que t'as avec ton micro aujourd'hui? Bon, je ne sais pas Quoi? trop à quoi ça sert, mais le clown. Ne sert, je pense à rien. Ah, on peut faire des Réellement, je pense. briques et tout avec, je crois. Non, je pense qu'il sert juste à rien. T'es toujours en bas, toi. Ouais, j'arrive, je monte. Mais je suis déçu si ce n'est que ça. Ce n'est pas, c'est pas grand-chose. Très clairement, il n'y a pas grand-chose dans le cloud. Je pense que le cloud, en fait, tu ne peux juste rien faire. Cloud. Dark cloud. Non, tu peux rien faire avec. Clairement, tu peux rien faire avec. Toute cette expédition pour rien. Ah, oh, mais putain, il a encore repassé. Attends, je m'en suis donné un stack. Allez. Les 3. Dis De toute façon, j'en ai adios. 35, hein. Je vais redescendre, hein, moi. Puisque on a même pas des nuages. On fait pas grand Ouais, donc. ça fait des vitres noires, mais comme Minecraft, bah, propose des vitres noires maintenant. Par Ça contre, sert c'est... à amortir la chute. Par contre, Ouf. Ça te permet d'amortir la chute. Ok. Je sais plus par où on descend. Par là, je pense. Bon bah voilà, une Enfin. petite expédition dans le ciel pour vous dire que bah au-dessus il y a des blocs de cloud qui ne servent bah comme vous pouvez le voir presque à rien à part ça. Donc voilà un petit Ok, peu. l'archer. L'archer, tu m'embêtes pas, hein. Le creeper, tu m'embêtes pas. Et voilà. Ah, En par fait, c'est contre, fini pour le moment. avec les H Cloud, on peut faire des charbons. Du charbon. Je teste un truc, voir à quoi sert le cloud. Je pense que je sais à quoi il sert, mais. Ah, il sert à rien. Si, je pense qu'il a une utilité très très utile pour les builders, surtout, je pense. Si je me souviens bien, il est très Ah, utile s'il a pour une les builders. utilité, ce serait bien, quoi. Ah là, en fait, il amortit les chutes. Donc tu mets ça, Oh, mais ça pourrait être utile, ça. tu mets ça et ça peut remplacer l'eau, en fait. Ok, Ça permet de remplacer l'eau. on va faire un test alors. Bon. On va faire un test. Oh oui, c'est génial! Et on peut récolter ça à la main. Et alors, tu tombes, tu spam-clic le bouton droit. Et alors, ça t'amortit ta chute. Bon, bah, voilà. Une petite moyenne découverte. Pas trop ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais plus à des choses différentes. Maintenant, d'un autre côté, effectivement, on est dans le ciel. Effectivement, c'est des nuages. Donc, il fallait pas que je m'attende à grand chose, donc voilà.
Bah, merci à tous Bah ouais, d'avoir. ça m'est très utile. Bah ouais, ok, bah tant mieux si ça a une utilité. Tiens, je te passe ce que j'ai. Je te passe ça également. Bah, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Si vous ne saviez pas ce qui était au-dessus de nos têtes, bah maintenant vous le savez. Le mot de la fin pour Timalone.